c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle et cette fois-ci direction le Japon avec le boys group japonais Orbit, issu d'une des saisons de Peau du Sang version Japon. J'ai beaucoup aimé leurs deux précédents titres qui est sorti à peu près en avril, dont j'avais réagi, et j'ai été un peu plus me renseigner. En fait, chacun représente une planète et leurs fans, comme moi, représentent tout simplement la planète Terre. Franchement, je trouve ça assez sympa comme genre de concept. Les deux précédents MV que j'avais réagi à peu près en avril, franchement, j'avais beaucoup aimé leur voix, leur cohésion de groupe. Les deux clips étaient vraiment superbement bien travaillés. Enfin, j'avais vraiment tout aimé. C'est vraiment un groupe excellent. Je peux vous dire que j'ai regardé les teasers et franchement, j'ai très très hâte depuis quelques jours de enfin visionner leur titre Eclipse et le MV qui l'accompagne évidemment. Et c'est parti, donc je vais visionner ceci en maintenant. Go, go, go. Oh, c'est beau ça. On dirait qu'il pleure mais ne pleure pas. Oh. Vraiment encore les petits détails, les diamants et tout, c'est super joli hein. Ok, j'aime beaucoup leur tenue, j'aime beaucoup les stickers qu'ils ont mis, que ce soit les diamants sur leurs mains, mais même sur leur visage, c'est très sympa. Oh, ça j'aime. Il est trop mignon. On a un petit bébé. Les cordes encore une fois. Alors visuellement, le MV est un peu moins travaillé que leur précédent, il me semble. Mais il y a certaines parties que j'aime beaucoup, comme là avec les cordes. J'aime beaucoup, mais vraiment leurs accessoires et leurs tenues sont parfaites. T'as un peu ce côté latino, hein, je trouve, dans la chanson. Et t'as vraiment, on dirait, un côté très mature, sensuel, tu vois. Ok, changement de décor. C'est sympa avec les écrans là. Et ces structures là aussi est sympa, ça fait très artistique je trouve. Il n'y aurait pas un peu de fan service là? Calmez-vous les gars. Ouh, la chemise transparente. Mais quoi, j'ai des yeux pour regarder, non? Clips. Ooh. Oh, c'est sympa ça. Eh bien, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé la chanson, surtout ce côté latino, un petit peu en mode caliente. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Au niveau du MV,
C'est quand même bien travaillé, je trouve, avec cette structure qu'on voit pratiquement tout le long du MJ. Ça fait un côté artistique, mais j'ai beaucoup aimé leur tenue, mais surtout leurs accessoires, les petits diamants sur leurs mains, sur leur visage, comme une larme extra. C'était vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce comeback parce que tu vois vraiment ce côté très masculin, mature, et t'as l'impression de ne pas voir un groupe japonais, mais un groupe coréen, tellement que l'esthétique physique était là, mais également le MV, ça me prêtait à confusion. Je me dis, c'est vraiment un groupe japonais ou pas? Après, c'est mon avis, mais j'ai envie de vous dire, au Japon, il y a tellement de talent également. Franchement, encore une fois, un très bon son. J'ai beaucoup aimé les petites high notes par-ci par-là. Leurs voix sont magnifiques. Il y a un des membres, je ne connais pas le nom, franchement, mais il est trop choupinou. Tu as envie de prendre ses joues, de faire. Il est trop mignon. Et on voit qu'ils sont encore très jeunes et que moi, je vieillis. Ah ouais, bientôt 30 ans, les gars. Hein. On dirait pas, mais si. Ah, bon, je m'en fous de vieillir, hein, c'est pas ça. Et au niveau, donc je disais du MV, ce que j'ai beaucoup aimé également, à part les accessoires et diamants, c'est vraiment les parties où il y avait vraiment ces cordes, où ils enlevaient des nœuds, etc. Je trouvais vraiment que c'était quelque chose de mystérieux, mais en même temps un peu sexy. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas un esprit pervers, hein, du tout. Ou c'est moi qui exagère là? Non, enfin, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ces moments-là. Donc dans l'ensemble, c'est encore un très très bon MV visuellement parlant et la chanson est vraiment pas mal du tout. Même si j'ai peut-être une préférence à peu près pour leur précédent comeback, mais je pense que si je l'écoute plusieurs fois, ça va être vraiment un gros coup de cœur. Pour le moment, on va dire que c'est un semi coup de cœur. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié leur nouveau titre, également le MV qui l'accompagne et vraiment l'esthétique de leur accessoires. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour mes prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.